On va vous montrer des jeunes de l'Université Laval, du Festival Sciences et Génie, qui nous habituaient à des choses parfois pas toujours intelligentes pour le festival. Bien là, aujourd'hui, on a décidé de courir 200 étudiants, ce qui faisait 400 jambes. On a couru durant 400 secondes autour de l'hôtel du Parlement pour... Hein, tiens, tiens! On voit tes cuisses, pour souligner les 400 ans de Québec. Donc, on a fait ça ce matin, dans la neige, et il faisait moins 10 degrés. Je ne sais pas si vous l'auriez fait. On va regarder ça ensemble tout à l'heure. La mythe. Et 400 baigneurs pour les 400 ans d'une ville d'hiver. Ah. Alors, je disais moins 10 degrés tout à l'heure, c'était pour vous parler de cette prochaine nouvelle. Est-ce que vous iriez à l'extérieur en maillot de bain pour une petite balade? Il y en a qui l'ont fait aujourd'hui, des étudiants de l'Université Laval. C'est une nouvelle façon de célébrer le Festival Sciences et Génie. Ils l'ont fait notamment pour souligner également le 400e de Québec. Bio, 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 bio. Les étudiants dans cet autobus sont survoltés, en feu comme ils disent. Mais ce qui les attend à l'extérieur risque de les refroidir. Ces 200 jeunes en maillot de bain ont pris leur courage à deux mains et sont lancés dans une course autour du Parlement. Un clin d'œil aux fêtes du 400e. Le but était pas mal simple, c'était 200 personnes. Fait 400 jambes en 400 secondes qui font le tour du Parlement pour le 400e de la Ville de Québec. À moins 10 degrés Celsius, comme c'était le cas ce midi, sans les vents, bien sûr, ça prend des bikinis, mesdames, adaptés à cette température. C'est-tu efficace? Oui, ça l'aide beaucoup. Ça va super, mais il m'apprête un peu, mais on bouge, ça va bien, c'est le fun. Tant qu'à être en maillot, pourquoi ne pas se mouiller et faire un bain de neige? Tu fais pas ce frais que ça, c'est agréable. Le referais-tu souvent? Oui! Demain! On prend le temps de lire le journal. Bon été à gang. Très utile, le masque. Oui, oui, bien en fait, là, c'est... Je m'attendais justement à faire plus de plongeons, mais... Habituellement, le festival de sciences et génie nous amenait plutôt dans des circonstances où on parlait plus de sans génie, malheureusement. Cette fois, ça a changé. Il faut faire une bonne action pour la ville au lieu d'essayer de juste faire un certain coup. Ça va peut-être revenir dans le futur, on sait pas. Les jeunes sont demeurés à l'extérieur durant une vingtaine de minutes. Juste le temps de se saucer, comme on dit. C'est de montrer qu'on est capable de lâcher notre fou, puis le froid, ça nous fait pas peur. S'il y en a parmi vous qui les envient, bien dites-vous que le carnaval commence et qu'il y aura aussi un bain de neige. Éric Lévesque, TQS, Québec.